Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui du coup on continue, puis on va voir, on va peut-être terminer du coup le Hogwarts Legacy. Et on verra du coup ce qu'on arrive à faire sur la session, là, le temps qui reste à la fin, voir un peu tout ce qu'on peut continuer à faire pour essayer de terminer à fond le jeu. Que ce soit au niveau des succès et tout, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui me manquait, etc. Et puis voilà, puis du coup on devrait terminer à 100% le jeu aussi avec la récupération ben, des dernières pages de guide et les coffres de collection de Préolard. Voilà. Bref, du coup on va attaquer tout ça. Alors, attendez, je fais juste un petit tour rapide de la pièce. Ouais, du coup je m'excuse de pas avoir pu vous proposer cette vidéo ben, le lendemain de la précédente. J'ai eu un petit souci de santé en fait. J'ai une main. Perdu l'usage d'un des doigts pour l'instant, en tout cas il est en train de cicatriser, il est en train de guérir, donc voilà. Et du coup bah vu que j'avais quand même pas mal mal au doigt et à la main, je pouvais pas vraiment jouer quoi. C'est même rien que d'avoir la manette dans la main, de plier les doigts et tout, ça me faisait mal, donc voilà. Donc j'ai été contraint d'attendre une journée que ça aille un peu mieux. Là, ça va un peu mieux, donc du coup on va pouvoir reprendre. Voilà, donc Préolard. Allez. On va y aller. Du coup, ouais, comme pour la précédente vidéo, on va essayer de tout faire en une fois, là, tout récupérer en un passage. Par contre, je vais faire passer le temps, histoire qu'il fasse jour, ça me saoule qu'il fasse nuit. Par contre, je me demande s'il y a vraiment besoin d'ouvrir la carte. Pour vous montrer les lieux à chaque fois quand je récupère les objets. Je pense pas, je pense qu'on va faire comme j'ai fait à Poudlard, en fait, une vidéo complète où il suffit de suivre en fait, de suivre le parcours que je vais prendre pour justement atteindre l'endroit exact. Est-ce que c'est passé en journée là ou pas? Non, c'est encore l'heure d'être la nuit. Non, quoique. Non, je viens de refaire passer la nuit. Ouais, je l'ai fait repasser le temps pour arriver à la nuit. L'aube, en fait, le problème, c'est que l'aube, le jour, il se lève très doucement. Et du coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est la journée. Attendez, je vais juste aller voir pour revendre mon bordel. Je dis ça, mais je sais même pas si j'ai trouvé vraiment. Ouais, non. J'ai vu qu'il y a un point de talent à utiliser. Moi, je prends le truc qui augmente le nombre de sorts. Ah, mais j'en ai plusieurs des points. Je l'utilise pas, donc ouais, c'est bon. Bon, alors j'ai rien à revendre. J'aurais bien voulu que le jour se lève un peu plus. Allez, on est parti. Rebellion. Rébellion.
après s'il y avait une lune de demi-luise. Un miroir qu'on a déjà utilisé. Je suis désolé, je vais juste rester deux secondes le temps qu'il est dans la vidéo qui récupère le papier qui m'amène. Voilà, après ici, il y avait une lune de demi-guise. Entrez donc. Où en étais-je ? Ah oui, oui, oui. Vous avez besoin de potions, je suppose. Revelio. Alors ici, je crois qu'il y avait une lune. Où l'était ? Rebellion. Voir où il est parti. Revelio. Thank you.
Pareil, il y avait une lune qui était là. Révélio. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Lumos. Revelio. Action. Revelio. C'est pareil, il y avait une lune de demi-guise, je crois, était là-dessus. C'est bien ça, était là-dessus. Revelio. Et il y avait une autre lune encore là-haut. Et ici, il y avait un verrou à l'arrière. Et la lune, je crois qu'elle était là-dessus. Bien ça. Ouais, et puis là, il y a un coffre de collection aussi. Revelio. Et ben, il y en a du bordel là-dedans. Revelio.
Revelio. Revelio. Action. Revelio. Ça, on veut changer. Ouais, ici, on avait une de page devant le mannequin, là, mais on l'avait déjà récupéré. Je suis heureux de savoir que Clémentine est enfin délivrée de son obsession pour ses maudits papiers. Et là, il y avait une lune de demi-guise sur le comptoir. Revelio. 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 Je n'ai jamais eu de problème avec ce Harlow, personnellement. Mais s'il avait touché un... Revelio. Alors ici il y avait une lune encore. Action.
Lumos. Entrez, entrez. Revelio. Merci pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peau de crapaud. Voilà. Après, il y a encore une lune ici. Je vais à l'étage. Non, même pas. Elle était pas là, elle était posée bas sur la cheminée. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Revelio. Tout de suite. Lumos. Revelio. Ouais, bon, ici, du coup, il y avait un miroir. Un miroir au papillon qu'on avait déjà fait. Je vais venir récupérer le papillon ici. Après le ramener. Ouais, il était là-dessus, le miroir au papillon. Bah, je crois que c'est bon. Ah non, il y a les coffres de collection. Ouais, en fait, il a pas... Le mec dans la vidéo, il a pas fait les deux en même temps. Il a d'abord fait les pages de guide et il termine par les coffres de collection. Alors, du coup, faut retourner à un endroit. Et elle est où la rue principale déjà?
Ouais, c'est un peu plus à gauche. Voilà, ici. Bon, vite fait, du coup, où est-ce qu'on est? Là. Sauf que... Bah si, c'est bon, ça. Allô, Mora. Très bien géré cette vidéo. Je pensais qu'il récupérait tout en même temps, mais là il fait les coffres de collection à la fin. Et en plus, à chaque fois, il me remontre un endroit. Revelio. Là, ça va être là. Non, même pas ce coffre là. Ah, j'avais pas vu qu'à la fin c'était comme ça. Bon, ça, heureusement, il y en a pas beaucoup à récupérer. Allô, Mora. Allô, Mora. Ok. Et après, il y en a un aussi qu'on a déjà dû récupérer. Qui était là-dedans. Ouais, on a déjà récupéré. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas là. Attendez, je vérifie un truc. Ok, donc celui-là on l'a récupéré. Je sais pas où est-ce que j'ai pu louper un coffre. Ça paraît bizarre. Bah non, je suis con, c'est celui-là le coffre. Bah. Oui.
Ah merde. Bah non. Ça a bugué. Vous êtes sérieux là? Le jeu vient de bugger quoi, c'est magnifique. Alors, attendez, parce que du coup là ça me fout dans la merde ça. Charger, on va recharger la dernière sauvegarde automatique. On rechargera peut-être celle d'avant, j'ai peut-être pas suffisamment retourné en arrière. Ah, il y a un bug là. J'ai bien récupéré tous les coffres, mais celui-là il s'est pas validé. Je charge une sauvegarde avant encore. 1 minute 11h13. C'est quoi ce bordel, sérieux quoi. Ah, faut que je me tape un vieux bug sur le dernier coffre qui se valide pas quoi. Ouais, donc là on est devant la porte avec le Allo Mora. Allo Mora. Je vais vérifier avant d'ouvrir le coffre à combien on en est. On est bien à 4 sur 5. Une sauvegarde. Ah, c'est vraiment la poisse. Dernier coffre qui bug. Ah, on en est à 4 sur 5. Tout le reste, j'ai bien tout récupéré. Donc, si, c'est bien lui le dernier. Mais valide-toi, s'il te plaît. Il n'y a rien dedans. Il bug complètement le coffre, y a rien dedans. Putain, non mais sérieusement, j'en ai marre de ces jeux buggés là. Un compte automatique, manuel seul sur demande. Elle est où la manuelle que je viens de faire là? Elle est toute en haut. Ouais, je suis en train de devenir dingue. Allez, s'il te plaît. Complètement bugué. Mais vraiment complètement bugué. Ah, et puis, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est sûr que c'est le coffre. Hein. Un coffre qui sera juste au-dessus et lui, ce sera à l'heure. Voilà. Mais j'hallucine. Quoi. J'arrive à avoir un vieux bug sur la fin, quoi. Bon après au moins je vous ai tout montré, hein. Je vous ai montré l'intégralité des objets récupérés. Mais malheureusement pour moi, bah le dernier bug, c'est génial. Bon, on va essayer de retourner au menu principal et relancer ma sauvegarde. Peut-être que ça va réinitialiser un truc. On va corriger le bug. Sinon, bah voilà, il va falloir attendre une mise à jour. Espérer une mise à jour des développeurs qui corrigent ce nouveau bug. Qui apparemment n'était pas là avant. Hein, parce que pour tous les guides vidéo que j'ai pu trouver pour la récupération des objets, il n'y en a pas un seul qui parle d'un bug ici. Voilà, c'est bien. Hein. C'est magnifique. Et du coup, si ça bug comme ça, bah, je vais pas pouvoir terminer la collection. Quoi. La collection d'objets demande justement d'ouvrir tous les coffres de collection. Quoi. Ouais, je sais pas quoi faire. Collection, du coup, 67. Il nous manque les balais à aller acheter. Il nous manque des objets ici.
Ça doit être lié au défi, du coup, je pense. Il nous reste le dernier défi à faire là. Voilà, il y a ça à récupérer. On va y faire les combats et puis le dernier truc. Ouais, bon bah du coup je m'excuse, hein, je suis désolé, mais ça veut pas valider le dernier coffre, donc je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'espère qu'il y aura un correctif. Tombeau du villageois. Je sais pas qu'il y a un tombeau là. Alors du coup on va aller faire les ennemis là, les défis. Faut qu'on élimine des fangieux. Les fangieux, ils sont les fangieux. Les trolls, ah mais les trolls aussi à les faire, donc à la limite on peut les faire, les trolls qui sont là. C'est une zone combien ici? C'est 20-40. 10-25, y'a pas des trolls dans la zone 10-25. C'est des infernis ça. Des chiens. Ouais bon allez, on va faire les trolls qui sont là. Putain mais je suis vraiment dégoûté. C'est un vieux bug de merde à la fin. L'endroit a été un... Et vaincre des chiens. Alors, on avait des chiens par là, je crois, tout à l'heure. Ouais, et puis le dernier mystère de Poudlard, c'est dans la tour de l'horloge, en fait. On avait commencé à le résoudre un peu, mais on s'est arrêté en cours, parce que... On n'avait pas l'utilité de le faire en fait. Et puis il faudra qu'on aille acheter les balais aussi. Téléporte à côté, ça les réinitialise. Revelio. Le meilleur sentiment au monde, c'est trouver une créature prise dans toi. J'aurais juste... Tu devrais peut-être bouger. S'il était où, là, l'autre? Il est plus au sud. Revelio. Ta-ta-ta, bah non. Ça ne les a pas réinitialisés. Alors, aller chercher un autre endroit.
Ah, ici, je crois qu'il y en a. Ouais. Ah, voilà, parfait. Je vais à côté. Ouais, du coup, je vais pas pouvoir terminer la collection. Révélio. De leur connerie. Deux yeux bugs de merde. Faire une sauvegarde parce que j'ai peur que ça bug. Donc on se téléporte. Oui, alors aussi j'ai regardé par rapport au succès. Il y a 4 succès en fait qui sont liés aux 4 maisons en fait qu'on sélectionne. Et ouais, voilà. Du coup, je pense que ça. Non, il y a peut-être un truc exploration. Bah non, on les a trouvés. Donc ça, c'est les défis. Donc du coup, celui-là, c'est bon, on va pouvoir récupérer. Ouais, bah en fait, du coup... Ah bah non, c'est ça peut-être qui va nous manquer. Bah non, ça, on le récupère grâce aux défis aussi. Ouais, bah non, donc du coup, je devrais pouvoir valider les collections. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce coffre-là qui a bugué. Sinon, c'est que c'est un balai qui nous manque. Bref. Du coup, j'ai sauvegardé. On va aller voir les trolls qui sont par là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Il y a d'autres trolls là-bas aussi. Là aussi. Très bien. On a des repères de trolls un peu de partout ici. Et ouais, donc du coup, je disais, il y a un succès qui est lié à chacune des maisons en fait. C'est. Il faut atteindre la salle sur demande. Qui est. Comme c'est gentil. Comment ça s'appelle ? Qui est propre en fait à chaque maison. La salle, elle est pas exactement au même endroit. On rentre pas par le même endroit. Et du coup, bah, il faut justement aller à ces endroits-là, dans chacune, en incarnant, bah, en rejoignant chacune des maisons, pour justement avoir accès à cette salle sur demande, à la version qui correspond à chacune des maisons. Alors, bombarda, confringo. Voilà. Il reste plus que 5 à tuer. Et ouais, donc du coup, pour avoir ces fameux succès, bah, y a pas le choix en fait. Il faut relancer une partie et choisir une maison différente. Et il faut jouer à peu près entre 2 et 3 heures. Ça dépend de la vitesse à laquelle on avance. Je pense que le mieux à faire, si vous voulez juste rusher pour avoir les succès qui correspondent,
c'est de mettre le jeu en mode histoire en fait. Le mode histoire du coup au niveau des combats et tout, c'est hyper simplifié, donc ça permet de gagner du temps. Et du coup, et aller jouer 2 à 3 heures pour atteindre cette fameuse salle et après bah. Voilà, c'était là. Ouais, puis après du coup on terminera, il reste quelques petits succès à la con à les faire, à utiliser comment il s'appelle le sort là qui permet de retourner les ennemis, les faire tourner sur eux-mêmes. Et en fait il faut l'utiliser sur 10 vaches, pour retourner 10 vaches avec ça. Comme je dis, un succès à la con. Puis après, normalement, il y en a encore d'autres des succès un peu dans ce genre-là. Là, il faut qu'on fasse. Ah, il est venu jusqu'à moi parce que j'ai fait venir le rocher jusqu'à moi et vu que le rocher était derrière lui, ça l'a attiré. Ouais, donc du coup il faut faire reproduire en fait toutes les créatures. On doit m'en manquer, je sais pas lesquelles c'est exactement, donc on fera ça aussi. Et normalement après on aura terminé le plus gros du jeu quoi. Le plus gros des succès. Et alors du coup on va aller à un autre secteur. Et un autre paire de trolls. Il ne restera plus que les chiens à terminer. On aura terminé tous les défis. On restera à aller récupérer les balais aussi. Ce n'est pas le meilleur endroit. Revelio. Troll. Bombarda, Confringo, Fundo, Protego. Tanta vecchio. J'avais dit que Confringo. Vecchio. Dis-moi, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Ah, une paire de chiens. Et on est bientôt niveau 40. Il y a un succès aussi à atteindre niveau 40. Je crois que c'est le niveau maximal pour l'instant. Et du coup, faudra dépenser aussi le dernier point de compétence. Ça va aussi filer un succès. De repères de trolls ici. Ça aussi, c'en est un. Chien. Voilà. Alors, re-sauvegarder, je m'excuse, mais je préfère mieux assurer le coup. Ça venait encore à planter quand on se téléporte.
les chiens. C'est une erreur. Parfait, un troll là. Où est-ce qu'il fait tout seul là? Troll de la main, il est... Confringo, bombarda. Classis. Confringo, Confringo. Stupid. Confringo. Voilà, parfait, 15 sur 15. Du coup, avec un peu de chance, on doit trouver le dernier chien. Il en manque plus de deux, je crois. Et voilà, terminé. Un petit défi de combat. Voilà, je perds les deux derniers attributs. Collection. Voilà, du coup c'est bon, on a tout. Il ne reste plus qu'une tenue là, et puis les balais. Du coup ça, ça correspond à un défi. Ouais, bah ça doit être le truc, voilà, c'est le secret de Poudlard. Alors on va y aller tout de suite. D'abord refaire une sauvegarde. Ça me rend tellement parano là, ce putain de bug qu'on se tape là depuis quelques temps. Là. De se faire éjecter du jeu quand on se téléporte, c'est un peu chiant. Alors, aile du clocher. Tour du clocher. Non, c'est pas ici en fait. La tour ouest. J'arrive pas à savoir où c'est cet endroit. Pourtant, c'est la tour du clocher. C'est bien là où il y a la, comment dire, la, l'espèce de gros pendule dans la pièce. Ah, c'est pas ici non plus. Revelio. C'est bon le bordel dans cette école, j'arrive jamais à me repérer. Faut ouvrir les portes là. Donc, genre celle-là. Là. Elle, du coup, on l'avait ouverte. En ralentissant. Resto Momentum quand il était devant la bonne. Le bon logo là-haut. Ça correspond au logo qui est par terre, là, je crois. Du coup, ça ouvrait ici. Après. On va à l'étage. Ici, il y a une porte qui est verrouillée. Ouais, voilà. Là, du coup, on voit que là, c'est le logo, l'espèce de, des yeux de chouette, là. Arrête au moment, toi. Du coup, en l'arrêtant devant... Oh là, pour... Ça marche pas. Pas qu'il me voyait venir.
donc ça c'est bon pour cet étage. D'avoir une porte dans ce genre là à chaque étage. Voilà, celle-là, alors du coup je sais plus quel logo c'était. Ah si, c'était celui-là là. Arrête au moment. J'ai loupé. Cette porte. Bon, c'était juste pour récupérer des objets de collection ici. Du coup d'en avoir encore une autre tout en haut. Allô, Mora. Ouais, mais je m'en fous pas le coffre pour rien. Bon, moins que j'ai loupé une porte. Ouais, je pense que j'ai dû louper une porte. J'ai vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Hein. Ouais, faut que je reprenne l'escalier. J'ai vu que dans l'escalier il y avait une porte qui permet apparemment de sortir. Je me demande si c'était pas là en fait. Là on est beaucoup trop haut, le pendule on n'y a même plus accès. Là. Alors. Là, c'est cet étage-là. Ouais, voilà, il y a une porte. Voilà, du coup, c'est bien ça. Alors, c'est le logo un peu chelou. Arrête au moment seul. Non, pas tout rien. Ah merde, je l'ai pas fait au bas mon bon moment. J'ai arrêté trop tôt. Et voilà, découvert le fameux secret qui nous manquait. Dans le niveau 40 aussi. Voilà, défi 100%. Hop, récupéré. Voilà, parfait. Du coup, là, on a dû récupérer la dernière tenue. Expliquer aller récupérer les balais. Alors on va dépenser aussi le point de talent. Se remplit quand vous esquivez. Ça c'est chiant faire des trucs parfaits aussi. Voilà, dépenser tous les points. Alors, hop. Juste le temps de regarder sur les balais déjà.
Il nous restera les créatures aussi à faire. Et faire reproduire, il ne doit pas nous en manquer beaucoup, donc ça devrait être assez rapide. Ok, alors, déjà on va aller voir après voilà. Revelio. Là, il n'est pas indiqué, la boutique elle n'est pas indiquée en orange. Il semblait que c'était la boutique qui était indiquée en orange, mais là... Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Alors, voilà, on va lui acheter ça. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Vendre des trucs inutiles. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Voilà. Du coup... Collection. Ah, il nous en manque plus de 3 à les récupérer. Ils sont chez les marchands. On en a déjà récupéré un, on en avait acheté un, je sais plus où. Quel plaisir de vous revoir. Revelio. J'ai l'impression que ce soit elle. Mais non. Je suis pas allé au bon endroit. Revelio. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Bonjour. C'est plutôt rare de voir des élèves de Poudlard ici pendant l'année scolaire. Je suis Priya Treadwell, à votre service. Je vends toute une panoplie d'articles de voyage. Que proposez-vous à la vente? Regardons tout cela de plus près, voulez-vous? Voilà. Je vends un balai. Vous ne regretterez pas votre achat, je peux vous le garantir. Alors, c'était ici. Le prochain... Que vous mijotez.
lui, par contre, en fait, c'était un gobelin en fait, qu'on avait aidé lors d'une quête. Il avait perdu ses chariots, c'était au tout début du jeu. Et, en fait, il faut obligatoirement faire cette quête pour qu'après, il puisse être ici et nous vendre des trucs. Tout ce que vous avez fait pour me rapporter les chariots, je n'arrête pas de peindre. C'est incroyable que les ténèbres puissent inspirer une telle beauté. Voilà. Voilà, voilà. Cela vous conviendra parfaitement. Arne, il s'appelle. Et le prochain... ici, Léopold Babcol. Il y a des vaches. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Et voilà. Merci pour votre confiance. Voilà. Compléter toutes les collections. C'était un plaisir. Voilà, collection 100%. Très bien, très bien. Voilà. On save. Ouais, c'est vrai qu'il aurait fallu faire reproduire les créatures aussi. Avant. On va se faire ce succès avec les vaches. Voilà, donc des vaches, il y en a plein ici. On prend le sort Lipendo. Lipendo! Lipendo! Youhou! Je sais pas si ça marche de façon lui-même. Sur des vaches différentes. Flipendo. Mais je le suis pas. Voilà, alors, on va retourner à la salle sur demande. Je vais pouvoir aussi faire identifier mon matos. Regardez les créatures qu'on a fait reproduire, du coup. Chick trouve que vous avez vraiment beaucoup progressé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on les a bien toutes fait reproduire. C'est magnifique parce que là, du coup, les potions du russe, là, je peux pas les récupérer, je peux pas les détruire non plus. Donc, du coup, je suis bloqué, les chaudrons ils sont pleins, là. Il faut que je me débarrasse des potions que j'ai sur moi en fait. Ouais, désolé, je fais un petit tour de gestion. Alors, on va faire identifier tout ça. Ah, un truc un peu plus sympa. Ouais, bon, après, c'est pas très grave. Pas trop d'intérêt de continuer à le faire évoluer. Mon perso, il est à donf. Alors, du coup,
ici. On a fait se reproduire les hippogriffes, les crapauds, les diricots. Diricots, hippogriffes, crapauds. Okay. Et alors ici, en fait, faut simplement que je les fasse se reproduire. Là, je crois que c'est eux les derniers qui me manquent. Pourquoi je les avais pas fait se reproduire, je crois. Bah ouais, à moins que je les avais bien fait se reproduire, sauf que je les ai sortis. Enfin, j'ai récupéré le juvénile et je l'avais revendu. Ça paraît bizarre. Bon, du coup, voilà, il y a les grabcorns là, qu'on n'avait pas fait. Je vérifie les licornes aussi, si on les avait fait. Et le phénix, on peut pas le faire, il n'y en a qu'un seul dans le jeu, en fait. Alors, ah bah, des fossifères, on les avait pas fait se reproduire aussi. La licorne, c'est bon. L'horreur aussi, c'est bon. Mais du coup, ouais, les fossifères, on les avait pas fait. Ça va peut-être valider. Yes, parfait. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la gestation ou de l'éclosion de l'œuf. Voilà, une bonne chose de faite encore. Ouais, bah écoutez, on arrive au bout. Hein. On va faire une sauvegarde, on va vérifier un peu au niveau des succès ce qu'il nous reste à faire. Je pense que, bah écoutez, on a fini. Tac. Voilà, vous allez voir la magnifique interface Steam. Voilà. Donc mes succès. Tout en bas. Ah bah voilà, ouais, s'il me reste ça à faire. Vaincre un total de 50 ennemis à l'aide de Petit plus Totalus. Et les trois succès cachés restants, en fait, c'est ce que je vous dis. C'est le fait d'accéder à la salle sur demande selon... je sais plus si c'est la salle sur demande ou la salle des cartes. Je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est la salle sur demande, mais je suis pas sûr. Donc, enfin bref, soit l'une, soit l'autre. Il faut accéder, en fait, à cette pièce-là en tant que représentant de la maison de Gryffondor, de Boursouf... de Boursouf, pardon. De Serpentard et puis de Serre d'Aigle. Et vu que moi, bah, du coup, j'ai choisi Serre d'Aigle, j'ai déverrouillé que celui de Serre d'Aigle. Du coup, il faut relancer une partie, choisir les autres maisons et avancer un peu dans l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive dans cette fameuse salle pour récupérer le succès qui correspond. Voilà. Et du coup, bah, il nous reste à aller éliminer les ennemis avec Petrificus Totalus. On va aller le faire vite fait, histoire de... La session, elle est pas très très... pas très longue là, ça fait que plus d'une heure et quart. On va aller se finir tranquillement tout ça. Allez, récupère-le. Il suffit de trouver un endroit où il y a beaucoup d'ennemis. Carte du monde. Il y a un endroit à tout trouver. C'est ici. Ce château, il y a pas mal de monde normalement. Par contre, je crois qu'il faut faire gaffe parce que je crois qu'on est repéré dès le début en fait. Je pense ouvrir le menu des sorts. Ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ah non, ça va, ils sont de l'autre côté. Rébellion. Ouais, du coup, c'est Rébellion pour voir où sont les ennemis. Les créatures sont heureuses de mourir pour que je gagne quelques morts. Je ne me souviens plus. Petrificus Totalus. Rébellion. Je ne sais pas si je préfère tuer les créatures. Je ne me perds jamais. Les ennemis là-bas, ils vont me voir. Si vous vous retrouvez perdu dans une région inconnue, appelez-moi. Je sais toujours où je suis. Oh. Même les yeux bandés. Je pourrais vous guider. C'est comme ça. Je tiens ça de ma main. C'est une idée. Il revient, l'autre. Je pensais tuer l'un des nôtres. Rébellion. Ah,
Ouais, étant donné que j'ai fait quasiment pas d'infiltration pendant tout le jeu. Forcément, ce succès, je pouvais pas l'avoir. Petrificus Totalus. Ils vont me repérer en bas. Revelio. Ah. Pas terrible ma technique. J'ai voulu me poser à côté de lui pour le choper. Ça marche pas terrible. Je vais aller à un autre endroit parce que là c'est un peu le bordel. Je rêve d'un monde meilleur. Pour moi. Petrificus Totalus. Je rêve d'un monde meilleur. Pour moi. Je devrais peut-être faire un... Ah bah voilà. Si j'en avais quand même fait plus que ce que je pensais. Parfait, parfait. Voilà, voilà. Bref. Enchaînement. Là. Ouais, bon bah du coup, on a tout terminé. Bonne chose de fait. On va retourner à la salle sur demande. Je vais juste refaire une sauvegarde avant d'y aller au cas où ça plante. Ouais, ouais, bah en tout cas, c'était plutôt cool. Hein. J'ai plutôt bien apprécié ce petit Hogwarts Legacy. Je trouve que voilà, l'ambiance, l'univers d'Harry Potter est vachement bien retranscrit en final. Quoi. En plus, le boulot qu'ils ont fait sur la modélisation de tous les environnements du jeu, quand on voit tous les détails qu'il y a et tout, franchement, les mecs, chapeau. Chapeau, chapeau. Puis en plus, le jeu n'est pas trop buggé non plus, donc ça aussi, de ce côté-là, chapeau aussi, parce que forcément, déjà les mondes ouverts, c'est compliqué. Monde ouvert complexe, parce que pas un monde ouvert très simple, mais un monde ouvert complexe comme celui-là, voilà, c'est au niveau du code et tout, ça demande vraiment une très bonne organisation, parce que sinon on se retrouve rapidement avec un énorme tas de bordel, un code source qui fait des millions de pages de code, des lignes de code, pardon, et on se retrouve un peu perdu, et puis quand il y a des bugs, c'est compliqué de venir les résoudre, mais je trouve qu'eux, ils ont l'air... par rapport à ce qu'ils avaient fait avant aussi, hein, les Just Cause et tout, je trouve qu'ils conçoivent leur jeu de façon vraiment bien. Voilà. C'est pas trop fait à l'arrache, quoi. Ils font ça quand même de façon sérieuse. Quoi. Et du coup, bah, on le voit, hein, on le voit justement là sur le coup de l'arc, qui est extrêmement fourmi de détails, fourmi de plein de mécaniques de jeu, etc. Même au niveau de la progression, il y a les quêtes relationnelles, les tâches, les devoirs, les machins, il y a les quêtes principales, les quêtes annexes, etc. Mais au final, tout ça, ça imbrique parfaitement et le jeu il tourne vraiment bien pour le coup. Même, il est devenu plus stable depuis la dernière mise à jour, même si malheureusement le jeu il s'est mis un peu à planter depuis. Mais du coup, vous avez dû remarquer qu'on n'avait plus ces espèces de vieux ralentissements qui apparaissaient dans certaines zones. On a plus ce problème là depuis la dernière grosse mise à jour. Donc voilà, bon après ça c'est juste une question d'optimisation, c'est pas non plus quelque chose de très très de très grave, ils peuvent le terminer sur la fin quoi. Mais du coup voilà, pour le coup j'avais un peu peur de ce côté là que le jeu soit très buggé et au final c'était, bon voilà il y en avait quelques-uns mais c'était léger quoi. Bref, voilà. Bah écoutez, j'espère du coup que vous avez apprécié cette longue aventure en ma compagnie. Voilà, puis du coup, je sais pas. Apparemment, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de DLC, donc je pense pas qu'on retournera sur le jeu. Mais bon, on sait jamais, vu que le jeu a quand même surcartonné au niveau des ventes. Qu'il a même battu Elden Ring au niveau des ventes, au niveau du lancement en fait en Angleterre. Mais bon après c'est pas non plus très dur parce que la licence Harry Potter ça a une certaine aura, surtout en Angleterre, que n'a pas Elden Ring, qui était un jeu un peu différent, qui sortait un peu de nulle part. C'est juste que les gens avaient la référence des Dark Souls et du coup ils ont été attirés par le jeu, voilà. Mais voilà, ça peut pas se faire
ça peut pas se battre contre Harry Potter, qui est une licence ultra connue, parce que voilà, ça sort pas que des jeux vidéo, ça sort aussi des films, des livres, etc. etc. Donc forcément, voilà, c'est un peu logique que le jeu viendrait à surcartonner quand il sortirait, quoi. Et du coup, bah voilà, ça a été le cas, le jeu a vraiment surcartonné partout dans le monde. Et du coup, bah voilà, peut-être que ça va au final peut-être les encourager à venir nous sortir une petite extension en attendant peut-être un prochain épisode. Je sais pas, on verra. On verra l'actualité dans les prochaines semaines. Voilà, voilà. Allez, voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah du coup, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.